Hey, coucou mes petits culs et bienvenue pour cette nouvelle vidéo et un nouvel épisode du richissime archéologue avec le très bel Iowa qui est déjà mort de rire et c'est le matin pour lui. Il a bien dormi, tout va bien. D'ailleurs, mec, bah, il va danser? Ouais, il danse, mais c'est pas la Simrumba. Juste, il danse pour l'instant, ça vous émoustillera un petit peu. Et puis, bah, on va tout de suite commencer à chercher ce qu'il faut, hein, puisque on a toujours les. Oh. Tu vas reprendre ton vélo peut-être, tu vas, voilà, tu vas creuser ça, tu vas creuser ça, et à voir si la porte du temple est ouverte ou pas, non, pas encore, et donc on va peut-être en ouvrir une, cette porte-là qu'on n'avait pas encore ouverte, donc on va y aller, hein. On va se mettre à bosser direct, parce qu'on a encore pas mal de taf, et bien sûr, on y va en vélo, c'est logique. Voilà, on est arrivé à destination, est-ce que c'est la porte qui nous amène au bain quotidien là, au bain omnisquin, au bain quotidien, n'importe quoi. Il y a moyen que ce soit ça. Au pire, hein, c'est pas très très grave. On visite quand même. Oh, Bichette, il a perdu sa petite machette. Oh, tristous. Oh, c'est l'œuf mystérieux. Enfin, on va examiner hein, ce qu'on a la fusée à 10, donc c'est sûr. On y go. C'est donc un œuf extraterrestre. On va encore avoir un extraterrestre dans la poche. Super! Je vous dis, on va finir les collections d'extraterrestres, de trucs des autres collections avant celles qu'on doit finir. C'est merveilleux. Et oui, on va aller au bain omnisquin. Et voilà les bains royaux omnisquins. Oh yes! Ici, c'est ouvert. Oh bah, tu vas y aller tout de suite, mon bichet. Hein? Mon petit bichet. Tu vas y aller. Et puis, de toute façon. Pas grand chose à faire à chaque fois ici, mais non, il n'y a même rien à creuser, tout ça, donc c'est un peu tristesse. Il y va avec son vélo, mais oui, j'ai bien fait de lui acheter son vélo quand même. Hein. Il lui sert pas mal. Oui, youpi! Et c'est encore l'œuf mystérieux. Bon, ben, archéologie élevée, c'est coup-ci, et on y est toujours, hein, donc c'est parti. Protéger l'œuf, une bénédiction. Ouais, moi j'aurais préféré une relique en or, mais bon, c'est pas grave, je prends quand même. Alors? Oh non, tu veux y passer. Il veut encore passer le truc avec son vélo, quoi. C'est pas possible, hein, Yo, hein. Ah bah, voilà. Il n'est plus là. Oh, il est où? Il est là. Il est là, et donc ici, je sais qu'il y a un coffre à ouvrir. Où es-tu, petit coffre? Où es-tu, petit coffre? Je me perds, je me perds. Il est là. Hop, le coffre à ouvrir. C'est joli, mais c'est dommage qu'il n'y a rien d'autre à faire, quoi. Moi j'aime bien la jungle, mais. Voilà, on tourne un peu vite en rond quand même. Allez! Dis-moi ce qu'il y a dedans. Fais-moi plaisir. Une assiette calendrier. Bon, c'est cool, hein? Je vais pas plaindre. Personnellement, j'aurais bien aimé en récupérer une pour moi et mon compte en banque. Mais Iowa, il les a déjà toutes. Ouais, bon, pas tant pis, hein. Du coup, en attendant. Il va creuser dans le petit tas de terre qu'il a fait popper, histoire que, éventuellement, on puisse récupérer quelque chose. Mais bon, j'y crois pas trop. Bon, bah c'est un couteau non identifié. Donc, c'était pas très très intéressant. Bon, bah, retour, voilà, reviens quoi. Mais Iowa, il passe à travers les murs. Mais t'es devenu un fantôme ou quoi? Tu fais flipper. Pour l'instant, le temple n'a pas rouvert ses portes, donc il va chasser les cailloux ici. Enfin, chasser les cailloux, ça va, c'est pas. Les cailloux, ils bougent pas, donc c'est plus facile à chasser. Et après, on va repasser ici, parce que s'il y a des trucs à creuser, c'est toujours bon à prendre. T'es un peu bouché quand même, hein. Tu vas sur ton vélo juste pour franchir, alors que t'as marché jusque-là, pour finalement descendre du vélo. Il y a un problème avec ce vélo et les portes, hein, de. Parce que là, c'est. Mais je t'ai demandé de franchir. Où tes choux? Bah, Iowa, mais qu'est-ce qui t'arrive? J'en peux plus de lui. Arrête avec ce vélo, bon sang. Tu es fétichiste de ton vélo. Oh, ton vélo. Faudrait pas que j'oublie de lui mettre une place d'honneur dans ton manoir, hein, dis donc. Alors, ici, bien sûr, on avait déjà vu le trésor. Et est-ce qu'il y a des trucs à creuser? Ouais, il y a ce truc-là, et tu peux venir creuser. Il n'y avait pas de calcaire? Oh non, c'est la déception, ça. Et puis, il laisse son vélo, là. Non, mais. Alors, nous revoilà au bar. Il va aller. Ah oui, c'est vrai que je dois compléter mes trucs de machin là. Mes trucs de machin. Oui, plat menu secret. J'avais pas noté la dernière fois ce qu'on avait pris. Du coup,
il va prendre le couranto. Voilà, parce que c'est une des recettes qu'il n'avait pas. Et je crois qu'on avait effectivement pris. Ah si, si, j'avais bien noté. Excusez-moi, je vois bien que j'avais noté, mais après. Il nous reste encore deux boissons à connaître et à acheter. Donc il va prendre. Quoi, tu vas marchander? Mais non, commande une boisson, tu vas prendre la horchata, pardon, j'avais pas bien été sur mon calepin. Voilà, comme ça, il va apprendre deux nouvelles recettes, puisque ça fait partie des 10 objectifs que nous avons en plus dans le challenge. Bon, c'est pas les plus compliqués, la preuve, hein, voilà, on n'a pas à chercher pendant 10 ans. Et c'est disponible. Ça va, ton couranto, ça a pas l'air trop dégueulasse, quoi, il y avait du poulet apparemment. Et ça, c'est... Bon, on sait pas ce que c'est, mais voilà. Ça va lui faire connaître deux trucs de plus et il restera qu'une seule boisson à connaître et c'est l'espuma agria. Voilà. Oh tiens, Erika! Oh bah, je sais que tu vas me sembler dingue, mais tu me plais. Oh la vache! Bah oui, bien sûr, organisons un rencard, ouais. Ouais, c'est ça, ouais. On lui a déjà fait le coup et puis ça fait longtemps qu'on l'a pas vu d'ailleurs. Aïe, papillonne en ce moment. Oh, bien sûr qu'on va faire un don pour une œuvre caritative. Voyons, aïe, ouais, il est pété de thunasse. Allez, go! Et voilà, quelle association incroyable de saveurs. Maintenant, il connaît ce plat couranto et en même temps la boisson horchata. Donc, c'est validé. Et il se balade toujours sur son petit vélo pour creuser des petits fossiles, du moins des diam, enfin des diamants, des saphirs, des machins, des pierres précieuses. Et peut-être aussi un fossile, hein? Ce serait cool. Le dernier qui nous manque. Qu'est-ce que t'as? Bah c'est ça qu'il faut que tu creuses, nanar. C'est juste là. C'est le dernier que j'ai vu. J'en ai pas vu d'autres dans le coin popé. Donc, oh, il y a les petites lucioles qui se baladent dans le coin. Tout ça, regardez-moi, c'est super joli. Voilà. On croise les doigts, hein. Bon, au bout d'un moment, moi, j'arrête de les croiser parce que... Alors, deux calcaires. Extraire un fossile. Pas de musique. Extraire un fossile. Pas de musique. Mâchoire de crocodile fossilisée. Bon ben, on va voir si le temple s'est remis en forme. Oh non, le temple s'est toujours pas remis à neuf. Oh, oh, je suis tristesse. Qu'est-ce qu'on va bien faire de toi, mon petit? Bah, écoute, t'as raison, prends du bon temps. Je crois qu'il a envie de danser de nouveau. Bon, ok. Tiens. Du coup, ça va être maintenant le passage Simrumba, hein. Voilà. Parce qu'il est plutôt en forme, donc dormir. Bon, bah, je pense qu'il va aller se coucher tôt, hein. Si le temple veut pas se réveiller, il va aller se coucher. Allez, Iowa, séduis tes conquêtes. N'hésitez pas toujours à refaire votre SimSelf et la mettre dans la galerie pour faire le. Si vous voulez participer au Bachelor avec Iowa qui aura lieu en live sur Twitch, mais quand on aura fini évidemment de finir son manoir et ce challenge. Donc c'est pas encore maintenant, vu comment je galère. Mais n'hésitez pas à préparer votre petit SimSelf avec bien sûr une tenue de cérémonie, classe et compagnie. Parce que voilà, s'il y a des cérémonies, bah comme dans le Bachelor, quoi, avec un choix à faire, il faudra être bien sapé quand même. Hein. Et à partager sur la galerie avec le hashtag Iowa prends-moi. Voilà. Ah, ce boule. Oh, ça y est, le temple. Oh, ça y est, le temple, finalement. Au lieu de dormir, tu vas venir lui couper les lianes. Le libérer. Oui. Libérons le temple. Yes! Allez, c'est parti. Tu libères le temple de ces lianes. Et on va gagner le challenge avec les reliques en or. Ah, on y croit, on y croit, on y croit. Oui, il a réussi! Estelle, archéologue en détresse, compétence pêche élevée. Ben, on va utiliser la fleur, hein, voilà. Donc, aspiration, hein, grosse fleur au sac de la table, à sang du sac avec la tige. Nanana. Totalement intact. L'archéologue est tellement reconnaissant qu'elle offre un bel objet ancien à Iowa. Oh, une relique en or, j'espère. Lol, allez, on va au temple. Youpi. Allez, tu peux déjà aller au temple. Oh, le temple, il a mis ses plus belles couleurs de fête. C'est n'importe. N'importe quoi! Alors. Oh! C'est le temple de la baignade! Cool! Bon, bah, allez-y, hein. Bah, allez-y. Vas-y, mon petit Iowa. En plus, tu vas te mettre en situation. Là, les abonnés, ils vont être contents. Ils vont te voir. Petite tenue, qu'est-ce que c'est que ce son? C'est flippant, hein? Quand même. Eh ben, écoute, à toi de venir ici maintenant. Allez, viens là. Courage, mon petit ange. On est avec toi. On te regarde. Ouh! Allez, il va nager comme un as.
Et pas comme un naze. Maintenant, il a 10 en fitness, donc il... voilà. Oh, quel beau fond. C'est dommage, il n'y a pas d'algues. C'est très très propre hein, dans le temple. Le fond marin de temple est très très propre. Je n'aurais pas pensé ça. Et voilà. Impec. Tu vas m'examiner ça, mon coco. Tu vas m'examiner ça également. Et est-ce qu'on a encore un autre truc? Non, on n'a que ces deux trucs-là. Ok. Bon, bah vas-y, travaille maintenant. Alors, c'est deux noms et un... Enfin, un nom et deux peut-être, pardon. Donc, on aura peut-être plus de chance avec celui-là. Ouais. Oh là là, il faut qu'il paye ses factures, le pauvre. On a coupé l'électricité chez lui. Oh, mais il y est pas. C'est pas grave, il paiera quand il rentrera. Alors, t'as trouvé? Ah bah, deux peut-être. Ah mince, tu vas faire la glyphe arbre. Allez, on est dans dans le thème nature aujourd'hui. On va faire la glyphe arbre. Fin de vacances dans un jour déjà. Ça va trop vite. Oh, on a eu bon! Oh là là, la team arbre, best team ever, hein. Allez, tu viens aussi tout de suite, tu descends. Donc, on va examiner ça. Et puis, et bah, c'est tout, dis donc. Ouais, alors? Il est avare en énigmes, ce temple-là. Ah, je pense qu'il a trouvé. Oui, les glyphes feuilles. Oh, bah, on reste dans la team arbre un petit peu quand même, hein. J'ai envie de dire. On reste dans le feuillage. Donc, c'est pas mal. Alors, paf, 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 les feuilles. Yaha! Yibzi! Yibz! Et on accède ici. Ah, super! Moi, j'aime bien ces trucs-là. On les a pas assez souvent, ces trucs ici. Où il doit marcher dessus en étant d'une certaine humeur et tout. Moi, je trouve ça cool, ça change. Alors, aucun des squelettes ne déclenche. Super! Donc, ce sera un de ces trucs-là. C'est cool! Ça change! Ah! Et là, il l'a découvert! Donc, il faut marcher sur la plaque avec confiance. Là, il est concentré. Donc, nous allons manger une baie. Une petite baie de confiance. Baie de courage. Cérébé, baie du bonheur. Donc, je pense que ouais, c'est celle-ci. Tu vas manger la baie de courage. Voilà, bichon. Il est confiant. Il va donc l'activer sur la plaque avec confiance. C'est toujours un peu bizarre, mais ça fonctionne. Il est très content, hein, petit Iowa. Impeccable. Oh, regarde! Il y a ça à creuser. Bon, je ne dirai plus rien. Mais creuse, vas-y, creuse, mon petit. Tu sais, dans la vie, il y a deux façons, il y a deux sortes d'êtres humains. Et il y a ceux qui creusent. Alors, il y a ces petits squelettes-là. Et on a... Ah, on a deux trucs ici. Ah ok, et eh ben go alors, hein, on va tout tester, hein, moins que tu trouves déjà le premier avec les petits squelettes là, s'ils sont sympas avec toi. Alors les squelettes, il y a un nom et deux peut-être. Très bien, on continue. Ah, il a découvert, c'est bon, ne cherche pas plus loin, tu vas assembler les glyphes soleil. On est toujours très mère nature ici, hein. Il n'y a que les flèches qui font un peu barbare, mais soleil, feuilles, arbres, voilà, moi je valide. Hein. Ouais. Oh my god, ça te sent bien devant. Alors, et ça nous ouvre la porte empoisonnette. Et la porte empoisonnette, on peut aller là. Il reste encore. Eh ben non, c'est bon, on a fini. On est à la fin du game. Tu peux donc venir ouvrir ce coffre-là, ouvrir ce coffre-là et ouvrir ce coffre-là. Voilà, moi je dis plus rien pour ne pas porter la poisse. Par contre, il commence à être fatigué. Sachant que le retour va se faire à la nage. Ouais, que je lui donne quand même une petite truc pour se remonter le truc. Alors, une perrerera. Ok, donc une grenouille quoi. Wesh. Ici, qu'est-ce qu'on va avoir de beau? Ah, quel bonheur. Une relique de... Ça date totot. Oh. En or? En or? En or? Attendez. On va quand même aller voir ce qu'il fait sur la dernière. Wanji! Yibs! Alors, exploration du temple terminée. Une Pereressa, deux Pereressa. Et c'est super. On va jamais y arriver. Ah non, c'est même pas une Zadatotot en or. On se fait mais baiser comme on n'aimerait pas être baisé, quoi, dans cette. Voilà, hein. Je suis déception, mon petit Iowa, t'as compris? Déception! Alors, on est arrivé ici pour éviter tout problème qui ne se noie pas.
Voilà. On va lui faire prendre une énergie liquide que normalement j'ai dans l'inventaire. Ici, tu vas m'en boire une. Ça va le remonter. Tac, tac, tac. Voilà. Allez, maintenant, tu viens ici. Tu vas nager, mon petit. Et plouf! Ça rafraîchit les idées. Bon, on est d'accord que dans la vraie vie, on va jamais se risquer de faire ça quand, entre l'arrivée et là, il y a juste ça, tu mets une planche et puis tu fais un, tu fais un très grand pas et t'y arrives, quoi. Hein? On n'est pas bêtes, nous, quand même, hein? Les Sims, faut arrêter, hein. Oh bah voilà, on a gagné 27 000 Simflouz parce qu'en fait, il a rien fait, juste il est riche. C'est beau, hein. Oh non! Non! Les abeilles! Les... Non, les lucioles pyromanes! Je cherche à prévenir, il fonce droit sur Iowa. Hein. Grande inspiration sur le moment qu'il a pris, y compris les méthodes pour disperser les insectes locaux. T'es trop fort, Iowa. T'es beaucoup trop fort. Allez, on rentre à la location, mon coco. C'est tellement cool quand il est à vélo là dans la jungle. C'est tellement paisible. C'est trop cool. Allez, nous voilà rentrés. Tu vas creuser ces deux petits trucs là qui sont juste en face de la maison. C'est vraiment trop cool. Et puis ben voilà quoi. Qu'est-ce que tu veux faire? Tu vas me faire une petite sieste? Ah, je pense pas qu'on aura le temps que toi. Je pense pas qu'on aura encore le temps de retourner au temple puisque bon il va avoir besoin de temps pour se renouveler et qu'on nous on quitte la location dans moins de 24 heures donc je pense pas qu'on aura un autre temple cette semaine. C'est vraiment une déception parce que bon on n'a pas avancé d'un chouïa. Donc c'est la tristitude. Si seulement il avait été chignosphérophile, on aurait peut-être déjà fini le challenge. Mais ce n'est pas le cas. Quel dommage. Et c'est sur un Iowa apaisé et endormi que moi je vais vous quitter pour cet épisode. Donc bah, pour l'instant, zéro avancée. Et je pense que la semaine prochaine, on sera déjà de retour à la maison. C'est la tristesse. Mais c'est comme ça. Allez, moi je vous fais très très gros bisous. Comme d'habitude, commentez, likez, partagez évidemment. Et merci encore d'être là pratiquement à chaque vidéo. Je vous fais très gros bisous. Ciao!